Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Vidéo haul Action. Ça fait quand même, je pense, autour de un mois que je ne suis pas allée à Action. Et vous allez vous dire, mais c'était il y a pas longtemps. Oui, mais en fait, pour moi, une fois par mois, Action, c'est super bien et c'est suffisant. Si j'y vais trop souvent, de toute façon, après, je m'en lasse. Et si j'y vais pas, bah, ça me manque parce que en regardant toutes les vidéos sur YouTube, bah, j'ai envie d'acheter plein de choses. D'ailleurs, quand j'y vais, j'ai une liste de fous avec tout ce que j'ai repéré sur des vidéos YouTube et je ne trouve jamais ou très rarement ce que j'ai vu dans les vidéos et ça m'agace. Je sais pas si c'est votre cas, mais bon. Donc peut-être que ça va être le cas pour vous aujourd'hui. Vous allez voir des choses que vous n'allez pas pouvoir retrouver parce que bah, y en a plus dans votre Action ou j'en sais rien. Bon, bah c'est le petit hic hein, quand même. En tout cas, je commence tout de suite. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Des chips. J'en ai pris deux paquets, mais le deuxième il est déjà ouvert, c'est fromage. Et là j'ai pris les épicés. Et toujours dans la gourmandise un peu salée. Et j'ai pris ces trucs là parce qu'en fait ça fait plusieurs fois que ça me tentait bien. Et bah là je me suis lancée, c'est à la pomme de terre. Et c'était 89 centimes je crois. Et les chips c'était autour d'un euro. Après j'ai pas mal pris de choses pour la cuisine, pour tout ce qui est gâteau. Puisque pour l'anniversaire de ma fille, je vous ai fait un vlog que je vous remettrai ici. Non, plutôt ici. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui étaient pas top dans ma cuisine et que je voulais changer. Alors, je vous dis pas qu'Action, ça va être de la meilleure qualité, mais bon, voilà, il me fallait un fouet. Il a pas l'air trop mal, il coûtait moins d'un euro. Après, j'aurais préféré un tout en alu, en inox, je veux dire, mais il n'y en avait pas dans mon Action. Toujours au niveau cuisine, je me suis pris des moules à muffins comme ça ou à cupcake. En fait, moi j'aime bien utiliser ça pour mettre, bah, pour faire des muffins, etc. J'en ai déjà un version rigide que j'ai de chez Ikea, mais j'en voulais un deuxième parce que quand je fais des tournées de 12, des fois je fais des tournées de 24 et j'aime bien mettre tout d'un coup. Et voilà, je me suis dit que j'allais en acheter un autre. Ça c'était 3,20€, donc ça restait raisonnable. Et toujours pour les gâteaux, d'ailleurs, hop là, attention, on va faire une catastrophe. Voilà. Il me fallait un nouveau moule à gâteau. Parce que le mien, en fait, il est en silicone, il est pas terrible. Et... voilà, on peut pas faire des super beaux gâteaux. Pour le gâteau d'anniversaire de ma fille, voilà, j'ai eu du mal à réaliser un beau gâteau avec le moule que j'avais. Donc je me suis pris celui-ci. D'ailleurs, ils sont pas mal parce qu'ils s'enlèvent ici. Et le dessous s'enlève aussi. Donc je me suis dit que c'était plutôt cool. Et il coûtait autour de 3,99€ si je me souviens bien. C'est un 26 cm de diamètre. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Ensuite, maintenant je vais partir dans d'autres choses. J'ai pris pour mon fils ce petit, cette espèce de petite combinaison là, comme ça, je la trouvais très mignonne, à 4,20€, et elle restait tout à fait raisonnable les couleurs, voilà, je me suis dit que j'ai pas beaucoup de tenues pour lui en fait de naissance et de 1 mois, donc bah, je me suis dit que j'allais prendre ça pour voir comment il allait dedans. D'ailleurs il est juste à côté mon petit Oran, donc si vous l'entendez gazouiller c'est normal. Et voilà. Ensuite j'ai pris pour ma fille des petites Huggies, des lingettes parce qu'en fait à 99 centimes j'aime bien les utiliser de temps en temps sur les fesses quand vraiment j'ai la flemme de sortir mes cotons. Mais sinon je les utilise aussi pour nettoyer ses mains quand elle s'est salie, voilà, dans la cuisine, après manger pour les débarbouiller, donc ça j'aime bien en avoir. Oh loulou. J'ai pris aussi des enveloppes bulles. Comme celle-ci à moins d'un euro parce qu'il m'en fallait quand je fais des envois, j'aime bien avoir des petites enveloppes bulles. Et des enveloppes de taille à peu près moitié d'A4. Parce que bah, c'est pareil, hein, quand je fais des envois j'en ai besoin. Il n'y en avait plus celle que je cherchais exactement, donc bon. Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? J'ai pris des papiers cadeaux pour mes swaps ou mes vidéos avec Mélanie parce que j'en avais plus de papiers cadeaux basiques. Et c'est à 49 centimes. J'ai pris plein de choses pour le scrap encore, j'ai pris des petites choses. Alors j'ai pris pour ma fille, alors j'allais vous montrer ça, mais en fait il est juste derrière. Un truc pour la voiture en fait comme ça, en mini, vous savez vous faites des dessins dessus, ça s'efface. Je l'ai pris pour la voiture parce que je trouve que c'est hyper pratique pour l'occuper pendant la quand on est sur la route et que voilà, c'est très sympa. Ensuite au niveau stickers, j'ai trouvé quelques petites choses. Alors ça je suis contente de les avoir trouvés parce que je les avais vus dans plein de vidéos et je les avais pas vus jusqu'alors dans mon Action. Des stickers comme ceci de chez Action du coup. Moi ça va être pour mon planeur, donc ceux-là en couleur craft, ceux-là avec du bleu. Ça peut être aussi pour mes réalisations pour bébé. Un peu jaune et orange pardon et noir. Celle-ci avec du rose et pour le planeur ou pour autre chose.
Voilà, j'ai trouvé très mignonne. En revanche, je sais plus du tout le prix. Ça devait être 59 centimes ou quelque chose comme ça. Mais je ne suis plus sûre. Toi aussi, t'as envie de parler, Loulou? Lui aussi, il a envie de vous parler, j'ai l'impression. Niveau stickers, j'ai pris quelques petits stickers comme ceci. Stickers 3D. J'aimais bien, j'ai trouvé très estival, avec des jolies couleurs, très sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de stickers. Et au niveau des écritures, j'ai trouvé celle-ci, donc j'en ai pris qu'une. Et je crois que c'était 89 centimes, hein, celle-ci. Et pour finir, dans les stickers, j'ai pris celle-ci aussi, que je trouvais très jolie, avec des attrape-rêves, des petits mots. Très sympa, ces couleurs-là. Au niveau gourmandise, ah non, toujours dans le scrap, j'ai pris un tout petit carnet comme ça, le Tropical Vibe, parce que les couleurs me plaisaient bien là. Ces couleurs un petit peu là, estivales, avec des papillons et des feuillages. Je trouvais ça très joli pour le planeur ou pour des créations aussi. Oui, t'as envie de parler toi aussi. Donc voilà, je trouvais très sympa. Et au niveau de gourmandise, j'ai pris le Galak, la fameuse tablette de chocolat Galak spéculoos, parce que je l'ai vue dans plusieurs vidéos et ça me disait bien. Et voilà, des petits Kinder, parce que Kinder, voilà, c'est toute ma vie. Hein. Donc 1,49€ et ça, c'est 1,20€, je crois, quelque chose comme ça. Pour ma classe, je me suis pris des... alors, c'est pas pour tout de suite, hein, je reprendrai qu'en fin d'année, mais c'est la première fois que je les voyais chez Action et du coup, j'en avais besoin pour ma classe. J'en ai tout le temps besoin en CP. C'est hyper important d'avoir des magnettes pour mettre sur le... j'allais dire ce frigo, non. Pour mettre sur mon tableau, pour mettre les affiches pour mes élèves, etc. Donc, j'ai pris des magnettes colorées et des noirs et blancs. Ça, je sais plus combien c'était, mais ça devait être 69, 80 centimes, je crois. Ensuite, pour 3,50€, j'ai trouvé ce lot de piles. D'ailleurs, il faut les demander à la caisse maintenant parce qu'ils sont un peu cachés. Et il y en a 16, je crois. Enfin, il y en a un bon paquet de chez Philips. Donc ça, ça vaut plutôt le coup. J'espère qu'elles sont de bonne qualité. J'ai pris des pare-soleil à moins d'un euro, je crois 89 centimes pour les voitures parce que ma fille, elle les casse à chaque fois. C'est vraiment casse-pied. De la peinture grise pour faire un petit truc pour mon fils, pour dans sa chambre, donc à 1,99€. Des petites, des pots comme ça de décoration, enfin de décoration pour boire. Hein. Je les ai vus sur le Instagram de Marine, du monde de Marine, et du coup ça m'a bien donné envie, même si j'en ai plein chez moi. Ceux-là ils sont en verre, ils sont trop jolis, et du coup voilà, j'ai craqué. Je crois qu'ils étaient à 1,49€ avec la paille, donc il n'en restait pas beaucoup d'ailleurs. J'ai repris un sel et un poivre parce que bah, ça c'est toujours bien d'en avoir à la maison à 1€. Pour mes lunettes, parce que oui en temps normal je porte des lunettes, j'ai pris des nettoyants à lunettes. Tout ce qu'il y a de plus basique parce que bah, j'ai toujours du mal à en trouver. Et je crois que j'ai presque fini. J'ai pris des cotons aussi, vous savez des cotons démaquillants. J'ai pris des sacs poubelles, voilà, des trucs un peu basiques. Et là, je vous montre, j'ai pris des espèces de petits tags pour, pareil, les swaps ou les décos. Quand on fait un cadeau, c'est toujours sympa d'avoir des petits tags tout près comme ça pour mettre un petit mot. Et des petits stickers comme ça pour le planeur avec les emojis. Donc ceux-là, ils m'ont paru plutôt pas mal parce qu'il y en avait plein. Mais ceux-là, il y a la nourriture un peu genre aussi le McDonald's et tout quand on va au McDo, quand on prend le taxi ou quand on prend la voiture ou le réveil quand il faut se réveiller. Enfin, je trouvais ça pas mal. Ils sont plutôt pas mal pour le planeur, voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en prendre plusieurs. Donc le voici et la dernière page, la voici. Et ça, je sais plus du tout combien c'était. Je vous avoue que j'ai pas fait attention à certains prix parfois, mais voilà. Donc dans mon sac, il me reste juste mes pare-soleil parce que j'en ai pris plein, du Harpic pour les toilettes parce que bah ça j'aime bien en avoir à la maison. Et mes rouleaux de... j'arrive pas à trouver... De sac poubelle. Donc voilà, j'ai pas fait des trouvailles de dingue. J'avais, je vous dis, une super liste avec plein de choses. Quand je vois les vidéos de mes copines, Nani, de la chaîne Nani, de Mélanie, de la chaîne Nani, elle achète toujours des trucs super et tout. Et moi, je voulais en trouver. J'ai rien trouvé dans mon action.
Alors peut-être que j'y vais pas assez souvent, je sais pas, ou le mien il est peut-être dévalisé, je sais pas. Mais voilà pour mes petites trouvailles du jour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et vous me dire les trucs que vous trouvez pas chez Action ou les trucs que vous adorez trouver chez Action. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Et d'ailleurs Oran qui est sur mes genoux vous fait aussi un gros bisou. Hein, salut salut.